Eh dis donc, Maxime, tu sais comment communiquent deux abeilles ensemble? Eh ben, par email. Ah, oups, pardon mes fraîchenotes et fraîchenettes, je vous avais pas vu. Bienvenue dans Fraîche, l'émission où on fait des blagues. Ça va être marrant, on va bien se marrer. Ah bah ça, tu l'as dit, parce que dans Fraîche Ciné, on retrouve le tout nouveau Men in Black. Dans Fraîche Game, fan du rétro gaming, ne zappez pas. Dans Fraîche Lecture, on a enfin les résultats des grands gagnants de notre concours de la BD. Et enfin, dans Fraîche Sport, tous avec les bleuettes pour la Coupe du Monde. Oh, merveilleux! Allez, on y va. Le monde se sauvera pas tout seul. Ils ont la classe. Leur mission est de protéger la planète Terre des menaces extraterrestres. Je veux bien sûr parler des Men et Women in Black dans ce nouvel opus. Il y a 20 ans, vous avez effacé la mémoire de mes parents, mais pas la mienne. On n'embauche pas, on recrute. Dans ce cas, je veux être recrutée. Je veux connaître la vérité sur l'univers. En costume. Bienvenue chez les Men in Black. Les hommes en noir? Non. Ne commencez pas, j'essaie de faire bouger les choses. Eh oui, une nouvelle recrue, l'agent M, va faire son entrée dans l'organisation la plus secrète de l'univers et va faire équipe avec l'agent H, et leur première mission ne va pas tarder à commencer. La ruche est une espèce prédatrice capable de prendre la forme de n'importe qui. Même celle de nos agents. J'ai jamais vu ça. On sort la grosse artillerie, les rétroviseurs. Je fais quoi avec? Je m'en sers comme projectile. Oh, waouh. On vise les méchants et on presse la détente. Les extraterrestres ont pris l'apparence des Men in Black pour mettre à exécution leur plan diabolique, détruire notre monde. Vous savez pas à qui vous avez affaire. On protège la Terre. Wouhou ! Et tout ce qui s'y trouve. Eh oui, pour retrouver les aventures de nos agents déjantés, un peu de patience, les Men in Black seront au cinéma le 12 juin. Si je comprends bien, tu veux qu'on essaie l'arme la plus puissante de la galaxie pour le fun. Ouais. Vas-y, appuie sur le bouton. Ah, augmente un petit peu là. Si vous aimez le rétro gaming, c'est-à-dire les jeux un peu old school, pas de problème, la sortie qu'on met à l'honneur aujourd'hui risque de vous plaire. Mais oui, Toki, l'humain devenu singe, débarque dans votre console. C'est un sorcier qui lui a lancé un sort, histoire de lui piquer sa petite copine en la kidnappant. Complètement malade ce sorcier. Alors Toki va devoir affronter et vaincre les sous-chefs de cet affreux personnage, jusqu'à ce qu'il retrouve le sorcier lui-même pour délivrer sa chérie de ses griffes. Alors, est-ce que vous allez avoir assez de cran, mes petits fraîchenotes, pour vous lancer dans cette aventure? Si oui, n'oubliez pas, Toki sera disponible sur votre console cette semaine. Ah là là, enfin, nous allons pouvoir vous dévoiler les deux BD qui ont gagné respectivement le grand prix du jury et le prix des téléspectateurs de la BD. Merci à nos jurés exceptionnels d'avoir participé, merci à vous les Nickelodeon Kids d'avoir voté en ligne. Allez, roulement de tambour, le gagnant du grand prix de la BD Nickelodeon, c'est... Mais oui, c'est Perseus. Dans Perseus, vous allez découvrir le mythe de Persée. Entre mythologie et magie, vous allez suivre ses aventures du haut de ses 8 ans. Et il va devoir faire preuve de courage pour sauver sa maman, une BD incontournable que vous avez adorée. Mais c'était pas tout. Le grand prix des téléspectateurs est décerné à... Mais oui, c'est Bienvenue chez les Louds qui a remporté ce grand prix. N'hésitez pas à lire les aventures de Lincoln et de ses sœurs, c'est toujours un plaisir de les retrouver, cette petite famille est trop drôle. Alors maintenant, pas de doute les Nickelodeon Kids, vous savez quels sont les BD à lire sans modération pendant tout l'été. Les Fraîchenotes, c'est un événement incroyable. Mais oui, la Coupe du Monde féminine de football commence cette semaine. Laissez-moi vous dire que ça va envoyer du ballon. On est tous derrière notre équipe de footballeuses et on espère bien qu'elles suivront les traces des garçons en remportant The Coupe. On est allé les suivre pendant les entraînements et laissez-moi vous dire que ça n'a pas chômé. Les joueuses vont tout faire pour être les meilleures sur le terrain et pour vous offrir des matchs qui vont vous donner le tournis. Avec des amis ou en famille, c'est sûr, c'est un événement à ne pas manquer. Allez, filles! Bon, nous, on va justement se préparer pour regarder le premier match. Et en attendant, les Fraîchenotes, on vous dit à la prochaine. Ciao! Exclusivité sur Canal et Numéricable.